que vous allez bien, patron de fitness de la vérité, tranquille. Une vidéo, les conseils quand on est maigre. 7 conseils pour reprendre du muscle quand on est maigre. Donc, il y en a qui ont du mal, il y en a qui m'ont... Il y a énormément de jeunes. La semaine passée, quand j'ai fait ma séance PEC avec Fitness Classique, il y a énormément de jeunes et qui m'ont demandé qu'est-ce que vous prenez pour prendre de la masse musculaire. Je leur ai expliqué, voilà, c'est une vidéo spéciale pour la jeunesse aussi, pour les, même pour tout le monde. Donc, vous avez, première étape, soulever des poids régulièrement, prendre du muscle. Commencez déjà quand même à valoriser vos poids, quand même, montez quand même de 12 à 20. Faites ça pendant un mois ou deux, vous allez choper quand même quelques forces. Excusez-moi, je bégaye un peu. Deuxième étape, soulevez des poids lourds de 8 à 12 reps. Quand vous êtes deux, vous pouvez régulièrement soulever du plus lourd. Allez, je vous dis entre 22 et 24 pour commencer ou 30. Quand vous êtes deux, ça court mieux. Troisième étape, changez de stratégie votre training d'entraînement par mois ou tous les deux mois. Ne faites jamais les mêmes exercices. À force, vous allez être habitué, vous allez rien ressentir par rapport à ça. Quatrième étape, mangez des protéines deux à fois par jour. Les protéines shaker gainer. Vous levez le matin, vous prenez un shaker, le midi et le soir. Si vous êtes en entraînement, vous prenez avant et après. C'est moi qui le fais parce que voilà, les gainers, moi je les expose, un pot de 4 kilos en 15 jours. 15 jours, 3 semaines, j'explose le pot, je recommande, basta. Donc, utilisez des acides aminés, BCA, créatine et gainer. Créa, ça va vous donner quand même de la patate. BCA, vous pouvez aussi prendre en pilule ou en poudre mélangée avec bouteille d'eau. Prenez 20 minutes, 30 minutes avant la séance. Gainer aussi, vous prenez 20 minutes, 30 minutes avant votre séance séparément. Donc, mangez beaucoup, 2 à 3 heures. 2 fois 3 heures, tous les 2 heures, tous les 3 heures, mangez quand même pas mal de trucs. 60% de glucides qu'il vous faut et 10% de lipides qu'il vous faut en grosso modo. Septième étape, manger 3000 calories par jour. Là, vous allez évoluer en masse. Vous prenez, je vous donne un exemple. Pizza, elle fait 1500 calories, une pizza. 1500 à 2000 calories. Si vous aimez bien les pizzas, mangez des pizzas. Manger des pizzas va vous faire 3000 calories. Ou d'autres trucs, votre maman, votre chérie, votre je ne sais pas quoi. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon, je vais arriver jusqu'à 5h du mat avec cette vidéo-là. Donc, mangez vos apports par rapport à vous. Comme je vais redire encore pour les gens qui ne savent pas, 60% de glucides et 10% de lipides. Pour pouvoir choper de la masse musculaire quand on est maigre comme une baguette ou comme un passe-à-linge. Donc, essayez de valoriser votre diet et vous allez voir des résultats, vous allez prendre plus de masse. Prenez des gainers. On dit, ouais, il y en a qui disent, prenez deux fois par jour. Quand vous en faites pas, vous en prenez trois, quatre fois par jour. Même avant de dormir, vous en prenez. C'est ce que je fais, j'en prends avant de dormir. Le matin, c'est pas dangereux. 500 ml d'eau, 2 cuillères, vous dosez, 2 cuillères, 2 grosses cuillères, vous mélangez et hop, basta et vous buvez. Allez, basta. Sur ce, si vous aimez bien cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Je vous dis, I want to biceps, big biceps. À bientôt, ciao.